de nouveaux tourments de pensée. Des pensées comme des feuilles bien vertes. Des qui ? C'est des feuilles si vertes pour un ciel bien bleu. Mais il y en a marre des feuilles vertes. Ça suffit les ciels bleus. Plus personne ne veut entendre parler des feuilles. Plus personne ne veut qu'on lui rabâche les oreilles avec du vert. Plus personne ne veut qu'on lui cause de ciel ou qu'on lui assomme de paroles avec du bleu. La nature, les arbres, c'est louche. Le vert et le bleu, c'est louche. C'est avarié, pensent les modernes. Comme si le noir disait plus que le bleu. Comme si le sombre était plus proche du vrai que le vert. Vert et vrai, ça paraît pourtant tout proche, mais on ne veut plus d'image avec dans la modernité. On a trop annoncé la fin des métaphores pour que je vienne ici vous en déverser. Mais peu importe la métaphore, pour moi, Peggy est tout de même face à ces ciels. Car chez Peggy, on parle forcément d'une pluralité de ciels. On dit les ciels comme chez les peintres. Car Peggy a tout du peintre. Peggy a peint son époque. On craignait que le ciel ne s'assombrisse définitivement. Et il s'est assombri dans la pensée. Car à l'époque de Peggy, on pouvait encore penser comme un arbre. Un arbre qui pousse et qui pense. Et sa pensée, ouais, en toute innocence. Et toute naïveté. Et toute naïveté, sa pensée. En toute innocence et en naïveté. Et la naïveté, c'est la vérité. C'est ça qui fait des ciels bleus et des arbres bien grands et bien verts. Pas des arbres de cité, des arbres rabougris le long des routes, mais des forêts. Pas de sinistres arbres tout décharnés du manque de pensée, de cette pensée exsangue, cette pseudo-droiture, alors que tout est couché, tout est là, à l'horizontale, dans la pensée d'aujourd'hui. Tout est au sol et raplapla, ça ne bouge plus guère, ou alors ça veut bouger, mais pour montrer ses différences. Ses prises de parti, ses minables oppositions, ses petites guéguerres à l'esprit, ses petites circonvolutions, ses petites et misérables prises de position. Tout est positionné aujourd'hui, tout est bien tranché, et Peggy serait bien malheureux dans cette forêt toute décharnée. Il serait bien seul et bien malheureux, tout là-haut, à la cime de son arbre, en fait de sa pensée, tout au bout de ses branches, de ses phrases, lui tout grand et tout vert, lui tout rayonnant et tout vert, lui parce que c'est différent. Il serait bien en peine aujourd'hui, tantôt on le traiterait de réactionnaire, tantôt on le prendrait pour un progressiste. Que des pauvres mots nous recouvrent aujourd'hui, que de pauvres vêtements nous habillent maintenant, nous, les soi-disant modernes, nous, les post-modernes,